Bonjour, bonjour chers étudiants de la langue française. Hoje je suis très content avec vous. Estou muito feliz por estar com vocês hoje, quê? Porque? porque hoje tem uma aula muito especial onde que eu vou contar a história do Haiti em francês, ok? Eu vou con contar lentamente com uma velocidade que eu acredito que você consegue acompanhar. Então, na nossa, no nosso canal a gente tem uma categoria que é só em francês na sala de aula onde que eu vou apresentar histórias do Brasil de qualquer lugar do mundo do Paraguai da argentina e também outros fatos que talvez você queria aprender em francês ok na no, no objetivo de de adicionar mais vocabulário no seu, no seu na sua biblioteca ok então, no objetivo também de treinar seu ouvido. Então, quem não se inscreveu no canal ainda, faça isso agora, senão você vai perder muitas histórias que eu vou contar em francês. Considerasse se estivesse num país francófono e que tiver que assistir uma aula em francês, né? Então, é uma boa oportunidade para você começar a se familiarizar com isso. Então, Vamos lá. Quem não se inscreveu no canal ainda, faça isso. E quem assistiu esse vídeo, deixa seu like e compartilhar com outros amigos também que estão aprendendo a língua francesa. Então, vamos lá para nossa aula de francês. OK? Então, sem muita enrolação, eu vou contar para vocês a história do Haiti. Monon, OK? Maintenant en français. OK? Mon c'est Bachelor lui. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu de l'histoire d'Haïti. Connaître l'histoire d'Haïti. Haïti, pays de la liberté. OK Bon. Peut-être que vous connaissez Haïti à cause de ses belles plages, ses beaux lieux touristiques, comme vous êtes en train de le voir maintenant. La citadelle La Ferrière. Il vache, Haïti. Ou à cause de ce terrible tremblement de terre qui a dévasté Haïti en 2010. Alors, si c'est à cause de ce tremblement de terre que vous connaissez Haïti, ou si c'est si à cause de cette guerre civile, c'est très triste. Mais Haïti a beaucoup de choses, beaucoup de choses que vous devez apprendre. Okay? Alors, maintenant, on est en train de voir le drapeau d'Haïti qui est un drapeau bicolore. Bicolore, ça veut dire qu'il y a deux couleurs, OK? La couleur bleue et la couleur rouge. Le drapeau d'Haïti est de couleur bleue et rouge, d'accord? Bon, et la localisation géographique d'Haïti? Beaucoup de personnes pensent qu'Haïti se situe en Afrique, mais Haïti ne se situe pas en Afrique. Haïti se situe ici, en Amérique. Okay. en Amérique latine, tout près de vous. Ok, euh, tout près du Venezuela, de la Colombie et encore plus près de Cuba. Ok, des États-Unis aussi, comme vous le voyez, ça c'est une pointe de la Floride, tout près de Porto Rico. Et on a nos voisins, la République dominicaine qui a une qui a une ville touristique qui est très connue à travers le monde, qui est Punta Cana. Ok, alors Haïti se situe dans les Antilles, OK, en Amérique, en Amérique centrale pour plus, euh, plus précisément. Alors, Haïti, ce n'est pas un grand pays, si nous, si nous pensons sur le plan territorial. Haïti possède 27 750 km et 10 millions d'habitants, d'accord? Haïti a un climat tropical, ça veut dire un climat qui n'est il n'est pas ni trop chaud ni trop froid, c'est un climat qu'on peut dire un peu intermédiaire. C'est un climat qui qui ressemble avec le climat de du nord-est du Brésil. D'accord Un climat qui ressemble avec le climat du nord-est du Brésil. D'accord Je vais raconter l'histoire d'Haïti avant 1492 qui est la qui est la période précolombienne. Avant la découverte d'Haïti par Christophe Colomb, je vais parler un peu du traité de Ryswick et je vais parler un peu de la lutte de, pour l'indépendance. Et je vais parler aussi d'un peu de culture et lieux touristiques d'Haïti, principalement les plages et la citadelle La Ferrière. Avant 1492, Haïti était une île entière, ok? Maintenant, Haïti, l'île est divisée entre Haïti et la République dominicaine. Mais avant, Haïti ou quisqueya, ou Boyo, c'était une île entière avant 1492. L'île était divisée en cinq caciques qui étaient le Maurien, la Magua, la Maguana, le igui et le Jaragua. Chez l'île d'Haïti, il vivait seulement des Indiens, les Indiens Taïnos pour plus précisément, les Indiens Taïnos. Ici au Brésil, il y avait d'autres d'autres types d'Indiens, je ne sais pas d'autres d'autres types d'Indiens. Mais en Haïti, ils vivaient les Indiens Taïnos. Ok. Bon. Christophe Colomb a découvert Haïti le 5 décembre 1492. Lorsque Christophe Colomb s'est arrivé en Haïti, il a vu que c'était une île merveilleuse, une île merveilleuse, où vivaient des Indiens, c'était une île très riche. Alors Christophe Colomb s'est retourné en Espagne pour raconter à la reine d'Espagne qu'ils ont découvert une île très riche et qu'il fallait coloniser. Alors les Espagnols, en bref, je, je, je suis en train de raconter l'histoire brièvement, ok? Bon, euh, les Espagnols, ils sont, ils sont retournés en Haïti avec, euh, avec leur armée afin de coloniser et d'esclaviser les Indiens. Ok? Alors, les Indiens n'étaient pas, pas habitués avec ces, ces travaux pénibles qu'ils qu étaient obligés de faire. Bon, les Indiens sont morts en grand nombre. Ok, et je peux dire que c'était la décimation des Indiens, ok, l'élimination totale des Indiens sur l'île d'Haïti. Alors, le traité de Rixwick, -Rix, c'est quoi À cette époque, il y avait la France, les pirates français, les aventuriers français, les aventuriers anglais aussi, ok, qui s'installaient sur l'île de la tortue et qui pillaient les bateaux espagnols. Alors, la France et l'Espagne, ils ont ils ont trouvé un, un accord, ils ont trouvé un accord afin de séparer l'île en deux. Où la France est restée avec la partie est de l'île, ici, qui est aujourd'hui Haïti, et l'Espagne est restée avec la partie ouest de l'île, qui est aujourd'hui la République Dominicaine, ok? Dans la... La République dominicaine, aujourd'hui on parle espagnol. Cette île, s'est resté sous la dépendance de l'Espagne et Haïti, s'est resté sous la dépendance de la France. OK C'est pour cela que aujourd'hui Haïti a deux langues officielles qui est le créole et le français. OK Quand je dis le créole, le créole c'est un le créole c'est mélange de de langues, je peux dire, qui possède 60 français et un peu des dialectes africains et quelques mots en anglais et quelques mots en espagnol. Bon, c'est un mélange, ok? Alors, euh, mais c'est une langue officielle en Haïti, ok? C'est le créole et le français qui sont les deux langues officielles en Haïti. Alors, Haïti de nos jours, vous pouvez voir maintenant, Haïti, c'est cette île, c'est cette partie en jaune, ok? Que la France a colonisée durant 200 ans, que la France a maintenu en esclavage durant 200 ans. Ici, vous pouvez voir l'île de la Tortue, qui est une île très connue, ok? Et ici, vous voyez Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Et moi, je suis de Gonaïve, je suis né à Gonaïve, ici, dans cette petite île, dans, dans, sa, dans cette petite ville en Haïti, d'accord? Ici, on a Cap-Haïtien. Cap-Haïtien, euh, à l'époque de la colonisation française, avait un surnom qui était Petit Paris, ok? Capétiens c'était Petit Paris parce que Capétiens était tellement beau et était tellement important pour les Français aussi pour les colonis colonisateurs français. Alors ils appelaient Capétiens Petit Paris. Alors euh, la France après la colonisation de l'île, ok? Après, après la colonisation de l'île, après être en possession de cette partie de l'île, la France devrait faire quelque chose pour travailler cette terre. Alors, par manque de main-d'oeuvre, par manque de bras pour travailler la terre, la France s'était obligée de rentrer dans le commerce triangulaire afin d'apporter des noirs en Haïti pour... Euh, pour, pour pour faire devenir esclave à vrai dire pour faire devenir esclave afin de travailler en Haïti etc alors à l'époque il existait le commerce triangulaire qui achetait des noirs en Afrique ok et pour apporter en Amérique principalement euh, au Brésil en Haïti et un peu aux États-Unis aussi ok bon alors le commerce triangulaire euh, selon l'histoire la première embarcation de noirs qui venaient d'Afrique s'est débarqué à Rio de Janeiro ici au Brésil même, ok alors en Haïti en, ha en Haïti aussi euh, il y avait ce, euh, ce commerce triangulaire bon, c'est comme ça que les noirs se sont arrivés en Haïti parce qu'il n'y avait plus d'Indiens il n'y avait plus d'Indiens les Indiens étaient morts, ok il a fallu trouver d'autres main d'œuvre pour travailler la terre en Haïti. C'est comme ça qu'ils ont fait appel au nord d'Afrique afin de travailler la terre en Haïti. OK, pour continuer, bon, les Noirs, après... Les Noirs, après être devenus esclaves, Ils ne pouvaient pas rester dans sa condition. Alors, ils se sont révoltés. Ok, ils se sont révoltés parce que personne, personne n'allait pas accepter cette, cette décision, cette, cette, cette souffrance d'être esclave. Vous le savez très bien. Ok, on ne veut pas en discuter beaucoup sur, sur ce sujet parce que l'objectif de de cette vidéo c'est pour enseigner vous est <laughs> est pour vous enseigner le français. D'accord? Alors, euh, qui a commencé avec le mouvement révolutionnaire des esclaves en Haïti C'était Doty Bookman. Et après, Toussaint Louverture a pris la relève après, euh, après la mort de Doty Bookman. Après la mort de Doty Bookman, Toussaint Louverture a pris la relève. D'accord Alors, Toussaint Louverture a mené une lutte beaucoup plus intelligente que Doty Bookman euh, parce que... Parfois, il, a, il était du côté des Français et parfois, il, a, il était du côté des Espagnols afin de libérer Haïti. Mais son, comme je l'ai dit, l'objectif principal de Toussaint Louverture c'était de trouver la meilleure entente afin de terminer avec l'esclavage en Haïti. Alors, après la mort de Toussaint Louverture, euh, il, il y a eu un remplaçant qui était Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines a pris la relève et a continué la lutte pour l'indépendance. ok? Alors, euh, les Noirs ont dit qu'ils ne voulaient plus être esclaves. Ils ont déclaré liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Alors, le 18 novembre 1803, c'était la dernière bataille entre l'armée de Napoléon Bonaparte et l'armée indigène. Il voulait dire l'armée des Noirs. Okay? Et l'armée des Noirs a gagné cette bataille qui a donné l'indépendance à Haïti le 18 novembre 1803 dans une petite ville en Haïti qui s'appelle Vertières. Alors, le 1er janvier 1804, Haïti a déclaré son indépendance. Okay? Selon l'histoire, okay, comme tout le monde le sait, c'est la première République noire. Okay? C'est le premier pays noir. À, de, à avoir déclaré son indépendance. Alors, félicitations à tous les Haïtiens. Moi aussi, je suis Haïtien. Alors, c'est la première République noire à déclarer son indépendance. Alors, maintenant, c'est fini la partie, la partie de l'histoire. Je vais raconter un peu de la, un peu de la culture d'Haïti et du tourisme aussi. Alors, en Haïti, on a deux langues officielles qui sont le créole et le français. Le créole comme... Comme je l'ai déjà dit, c'est un mélange de plusieurs langues. Et le français, oh, on... c'était la langue des Français, okay? de nos colon colonisateurs français. Okay? On a plusieurs religions en Haïti, mais les religions principales sont le catholicisme, le protestantisme et le vaudou. Et comme musique principale, on a le compas, musique principale. Alors, vous pouvez voir ici, sur cette photo, une très jolie plage. En haïti ok cette plage se trouve dans le nord d'haïti dans la ville qui s'appelle cap haïtien cap haïtien comme je l'ai dit déjà euh, à l'époque de la colonisation française cette ville avait un surnom qui était petit paris la badie cette plage ok c'est encore la badie vous pouvez voir nos chutes d'eau ok et ici c'est indigo à oui et ici, c'est la citadelle La ferrière Cette citadelle a été construite afin d'attendre une, une éventuel retour des colonisateurs français. Ok Alors, Haïti s'est préparé au cas où les Français voulaient retourner pour pour, euh, pour reprendre Haïti. Alors, c'est la citadelle qui était construite au Cap-Haïtien. Ok Vous pouvez voir. Cette citadelle s'est érigée sur une montagne très haute. Bon, je peux dire que c'est l'une des merveilles du monde. Oui, c'est une merveille. Et ici, ce sont les canons. Ok, ce sont des canons. Ok. Ce sont des boulets, boulettes de canon. Ok, les balles de canon, je, je, je peux dire. Pardon. Ok. Ici encore, c'est la citadelle La Feria. Ok. Ici c'est le palais sans souci à Milo. Vous pouvez voir il y a beaucoup d'étrangers. Ok, c'est un lieu touristique, reçoivent beaucoup euh, plusieurs milliers d'étrangers, plusieurs milliers d'étrangers chaque année. Alors si vous voulez Haïti, il ne faut pas perdre cette partie. Alors sans souci à Milo. Ok et pour finir c'est le fort de Jacques à Fermat. A ah, Pau que é a capital da Haiti. Alô, então, para terminar nossa aula, quem não se inscreveu no, can no nosso canal ainda, e para não perder nenhum dos nossos vídeos aqui, com o objetivo de ensinar o francês para você, com uma velocidade lenta, ok? Passo a passo. Então, eu eu estou sugerindo você de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like neste vídeo. Então, muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Au revoir.